soir, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Ça bonsoir, bienvenue. Merci. Alors ouais, on est ravis, c'est pas la première fois que tu viens, t'étais déjà venu faire un crash test dans cette émission. Allez voir la vidéo, elle est sur YouTube, c'est un spray magique. Et ben franchement ça avait cartonné, les gens étaient hyper contents. Et nous comme on adore les crash tests, on s'est dit faut qu'on fasse quelque chose de régulier avec toi. Ouais. Donc et ben, quand on aura envie, tu viendras dans cette émission nous présenter des objets de ouf, des concepts de dingue. Alors, c'est un œuf magique. Oui, à chaque fois, il y a le mot magique dans mes crash tests. En gros, c'est un jouet et à l'intérieur, il y a un animal. Ça s'appelle Hatchimal. Ouais. Et l'œuf, il est censé éclore lorsqu'on le caresse, etc. Il faut s'en occuper pendant plusieurs heures. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et... voilà, un animal est censé en sortir. Alors effectivement, pour les anciennes générations, c'est un peu le même concept que le Tamagotchi. C'est vous devez prendre soin déjà de l'œuf pour que la peluche, l'animal éclos, éclore, qu'il sorte, de son trou. Et après, une fois qu'il est sorti, il faut continuer à s'en occuper, quoi, parce que c'est assez incroyable cette histoire. Tu lui apprends à marcher et tout. On va vous donner beaucoup de détails tout à l'heure, mais on va commencer à l'ouvrir et on va commencer à pouvoir le couver pour voir si. Moi, j'ai envie qu'il sorte avant minuit. Quand même. Ah, moi, je suis grave stressée. Hein. Parce qu'imagine, on n'arrive pas. Mais si, on va y arriver. Il faut y croire. Bon, branchez-vous sur la page Facebook Marion et Anso. Alexandre va nous cajoler comme ça cet œuf. On va s'en occuper. Ouais, c'est pas papoule. Et puis, t'hésites pas à nous le passer au cours de la soirée. Tout. On va se faire des petits points pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, allez voir sur tous nos réseaux sociaux. Ça vaut le coup. C'est un truc de malade. Juste le prix, parce que à mon avis, ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, c'est 69 euros. Quand même. Je pense que c'est un signe. Ah, mec, il est coquin. Je l'ai entendu. J'ai entendu ses premières. Oh non. Il t'a appelé Amir, il t'a appelé papa. Ça parle ? Ah mais c'est énorme. Oh mon dieu, c'est allumé. Bah oui, c'est vrai que c'est hyper bizarre. Il y a de la lumière intérieure, on voit ses yeux et tout. Et franchement, oh c'est chaud. Ah là, c'est très bizarre. Moi, je suis pas prête à être mère. Je te laisse t'occuper de ça. Alexandre, branchez-vous sur le Facebook Live Marion Enso. Vous allez pouvoir suivre tout ça. Ça vaut 69 euros et à mon avis, c'est assez incroyable. Là, quand je le caresse, ça s'allume et tout. Mets-le proche du micro, voir. J'ai l'impression qu'il fait du bruit. On l'entend là. Ah c'est hyper chelou, c'est hein. Mignon. On dirait un petit poussin. C'est canon ou quoi? En fait c'est entre mignon et effrayant. Ouais. Alors, je précisais que Alexandre Calvez est toujours en train de couver et de caresser cet œuf. Parfois certains mouvements peuvent paraître angoissants comme on ça. On l'entend un petit peu là. Oui. On l'entend. Il a l'air très très content et on, de ce que j'ai compris, on peut interagir avec lui même quand il est dans l'œuf. C'est-à-dire que si on le penche, si on tapote, etc., il réagit différemment. Et là, il est très très content. Ça fait un peu comme les bruits des mangas, je sais pas. Ouais. Attends, on peut essayer de juste de le caresser et voir ce qu'il dit. Mais je vais le passer à Anso parce que j'ai l'impression. Ah ouais, j'ai trop envie de le caresser. Alors, juste si vous débarquez sur Fun Radio, nous sommes en plein crash test fil rouge. C'est un œuf qu'il faut aider à éclore. Donc vous êtes censé le caresser, le couver. Normalement, la peluche devrait sortir au cours de la soirée. Donc là, Anso le caresse tendrement. Ça excite tous les garçons. Ouais. Mais en revanche, pour répondre à ta question, Amir, quand on le caresse. Bah si. C'est peut-être parce que t'as pas le. Alexandre, ça marchait. Bah peut-être parce qu'il il m'aime. Ah ouais, il a trouvé ses parents, Alex. Ah c'est énorme. Ah il vibre. Il est pas content. Eh vas-y, il est vraiment surpris, Alexandre. Mais c'est quoi ça? Non, je croyais qu'il commençait à éclore. Il commence à éclore. C'est hyper bizarre, il est que dans ma main. Il commence à éclore. Ah mais attendez, ça donne des coups. Non mais attendez, mais est-ce qu'il peut pas déjà éclore? Si. Si, si, il casse. Mais non, si, il casse. Il casse sur le côté, c'est assez incroyable. En même temps, on s'en est bien occupé là pendant 25 minutes. Je m'y attendais pas. Moi non plus. Alors ça va prendre du temps. Effectivement, on voit qu'il y a des petits la vache. C'est hyper bizarre quand vous l'avez dans la main parce que ça fait vraiment comme si vous aviez un dinosaure qui est en train de naître, quoi. Alors juste Alexandre, pendant qu'il est en train d'éclore. Donc en fait, l'œuf fait différentes couleurs. Ouais. À chaque fois, ça indique sa signification, enfin sa situation, pardon. Ouais. Par exemple, s'il est de mauvaise humeur, ce qui était le cas tout à l'heure avec Anso, ou s'il a le hoquet, s'il est malade, s'il a froid, s'il a peur, etc. Et à chaque fois, il faut s'occuper de la bonne façon. C'est-à-dire que, par exemple, s'il a besoin de faire son petit rot, il faut le tapoter. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une couleur qui sort comme ça de l'œuf, qui est un peu fluo. Vous suivez les indications. Ouais. Et il vous dit ce dont il a envie. Il peut vous dire, je me mets en mode off, je vais dormir ou autre. Mais là, on s'y attendait pas à ce qu'il sorte aussi rapidement. Mais c'est très étonnant parce qu'en fait, ça donne des petits coups de bec. Ouais. C'est comme si la coquille, elle se brise.
ouais, elle se brise, mais c'est comme si elle re-rentrait en fait dedans. Alors moi je pense qu'il faut que tu le redonnes à son père, parce que c'est quand même lui qui doit le voir naître et qui doit le voir en premier. Je bouge plus, je crois que je sais pas ce qui se passe. Il est en colère. Oulala. Il me semble que quand il arrête, il faut que tu l'aides à enlever sa coquille, je non crois oui. que c'est le moment d'enlever le haut de la coquille. Oh là là, ça y est, attendez, ça va être l'accouchement. Amir, est-ce qu'on a eu des propositions de noms sympathiques ou on reste sur bébé bœuf? Il y a eu bébé bœuf, il y a eu fun bœuf, il y a eu funny, il y a eu dadeux. Moi j'aime bien funny. Funny c'est mignon. Funny aussi. C'est pas mal. Hein. Funny, le bébé de Fun Radio. Franchement, Funny c'est pas mal. On va rester là-dessus pour l'instant. Continuez sur le Facebook Live si vous avez mieux. Non mais là il fait des bruits. Bah oui, mais il pleure, il a envie de découvrir son papa. Vas-y Alexandre. Je vous rappelle qu'Alexandre Calvez, c'est le spécialiste des crash tests sur YouTube. Oh mon dieu, attendez. C'est lui qui nous a dégoté ce gadget. Oh là là, ah, ça y est, la peluche est sortie. Le bébé, le bébé, le bébé. Alors, il est violet. Ses yeux viennent de s'éclairer. Il est violet et vert. Il a deux grandes pupilles. Alexandre tremble. Il faut le sortir de son œuf. Ça y est. Attends, parce que là, il a les yeux rouges. Et quand les yeux sont rouges, ça veut dire qu'il est en colère. Il tourne. Ah, ça y est. Il continue à éclore. En fait, faut pas le brusquer. Et franchement, c'est un truc, mais hyper mignon. Je sais pas si vous pouvez vous connecter sur le live Facebook. Mais c'est vraiment hyper mignon quoi. Alors franchement, si vous avez des enfants, si vous avez besoin d'une idée cadeau, c'est un truc de ouf, je vous assure, c'est hyper kiffant à faire. C'est la version 2017 du Tamagotchi. On adore, branchez-vous sur le Facebook Marion Anso. De toute façon, on vous fait une vidéo YouTube aussi. Et puis on est sur tous les réseaux pour vous faire vivre ce moment. La naissance de Funny, le bébé du Night Show et d'Alexandre Calvez. Il tourne dans l'œuf là, c'est très mignon avec son petit bec comme ça. Il avance et puis il essaie de donner des coups pour sortir complètement. C'est-à-dire que c'est un peu l'exorciste quoi. Ah, c'est trop mignon. Bon, on va continuer. Amir reste branché comme ça sur le Facebook Live. On s'en occupe. Hein. On continue jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti pour après vivre ses premiers pas, peut-être, tous ensemble. Hein. Me retire. Ah, ça y est. Oh non. Il est sorti, bébé. Il faut retirer le plastique et appuyer sur son ventre. C'est tout. Ah, d'accord, faut appuyer sur son ventre pour faire quoi? Je sais pas. Et après, il dit. Il est censé parler une fois qu'il est réveillé. Tout le monde se calme. Je sais que c'est un moment attendrissant, une naissance, mais tout se passe bien. Funny. On est bien. Funny est né, on lui enlève le petit plastique qu'il a autour du bas du ventre. Il va falloir que tu lui appuies sur le ventre, Babou, pour qu'il puisse parler. Oh non! Il est né. Oh, il chante. C'est joyeux anniversaire, un truc comme ça. C'est angoissant. C'est trop mignon. En fait, j'ai peur qu'il me crache au visage. Il a non mais... il a des petites ailes et tout. C'est trop mignon. C'est trop chou. Petit point Alexandre, parce qu'il avance tout seul, le bébé là. Alors oui, je viens de regarder la notice. C'est encore plus ouf que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a différents stades de développement. Il y a le nourrisson, le bébé et l'enfant. C'est-à-dire qu'il évolue et qu'il faut lui apprendre des tours et tout. Et apparemment, on peut par exemple essayer de le faire rigoler en lui faisant des chatouilles sur le ventre. Le ventre? Bah vas-y. Oh non, il rigole. Non, c'est bon, perfectionné. Oh. Hein. C'est hyper bien si fait on ce met truc. La tête en bas, il s'esclaffe. Il s'étouffe surtout. Non mais ok, c'est très flippant quand même. Ouh là là. Ah non, mais c'est génial. Allez vous brancher sur le Facebook Live. Franchement, ça y est, hein, notre fils est là, il fait ses premiers pas, il rigole. Oh, c'est magnifique. On aime beaucoup, mais on va falloir s'en occuper maintenant. Il est temps de faire le débrief parce que vous le savez, un crash test, on dit toujours nos impressions à la fin. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on valide, qu'est-ce qu'on en a pensé, les défauts, les qualités. Forcément, je vais m'adresser à Alexandre Calvez qui était notre consultant ce soir et qui viendra, je vous le dis, plusieurs fois par mois dans l'émission pour nous présenter ce genre d'objets, ce genre de tuto, ce genre de crash test. Alors Alexandre, on rappelle que ça s'appelait Hatchimals. Tout à fait. Ça a été créé en 2014 par un certain James Martin et j'ai lu qu'il a trouvé cette idée avec les unboxings YouTube. Ah ouais ? Il s'est dit, il y a plein de gens qui font des unboxings sur YouTube, pourquoi pas créer un jouet qui s'unboxe tout seul ? C'est pas facile à dire. C'est énorme. Et apparemment, ça a cartonné et il a reçu plusieurs awards dans le milieu du jouet, donc c'est top. Parce qu'on rappelle le principe, hein, c'est un œuf, vous devez le chouchouter, le caresser, le cajoler pour qu'il puisse éclore et à l'intérieur vous avez une peluche animée et après pareil, il faut s'en occuper. Donc on a fait l'expérience, on l'a appelé bébé Funny, il est violet, il est mignon, là il fait sa petite vie de bébé, on l'a laissé tranquillement se reposer. Comment déjà le prix, est-ce que tu valides, est-ce que tu le conseilles, les qualités, les défauts, on t'écoute.
Alors, le prix, c'était 69 euros, et honnêtement, bah, je trouve que c'est une bonne expérience, c'est assez surprenant, même nous qui sommes adultes. Alors, je pense que pour les enfants, ça doit être encore plus ouf. Ouais. Moi, je trouve pas ça très cher, en vrai. Ouais, franchement, pour ce que c'est, ça va. D'autant plus que là, on a fait l'éclosion et la naissance, mais il y a plusieurs étapes, comme je le disais tout à l'heure, l'enfance, etc. Et il réagit à tout un tas de mouvements, d'expressions, etc., etc. Donc, c'est vraiment top, en fait. Enfin. Moi je valide, je sais pas ce que vous en avez pensé. Eh ben moi je valide complètement. En plus, alors j'étais un tout petit peu déçue par le design de la peluche, je dois le dire, que je trouve très simpliste. Oh non, moi je trouve ça plutôt mignon, je trouve que les yeux sont bien faits, je trouve que le changement de couleur est sympa. On dirait une chouette. Plus, ouais, ça ressemble un petit peu à une chouette dinosaure, et je trouve que ce qui est cool, c'est que si tu es une personne sadique, tu peux t'amuser de manière sadique. Si t'es quelqu'un de plutôt gentil, ce qui est préférable quand même, tu peux t'amuser comme ça. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ah c'est chaud, c'est chaud. Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle les a fait tomber comme des dominos. Tout le monde sur le refrain, tout le monde, tout le monde. Elle les a fait tomber comme des dominos.